suis le président du deux chevaux club du Niger, les Chevrons du Sahel. Mes impressions sur la sortie de Bamako sont très positives. Du moment que, d'abord, dans un premier temps, c'est la première fois que je viens à Bamako. Et si j'ai pu découvrir Bamako, qui est aussi un pays ouest-africain, pas très loin du mien, c'est grâce à la deux chevaux. Donc je dirais que cela m'a rapporté beaucoup, du moment que j'ai croisé beaucoup d'amis de schiste du Mali avec lesquels on a beaucoup échangé, sans compter que j'ai fait la route avec mon équipe, avec d'autres amis qui partagent la même passion que nous, en l'occurrence les amis du Babi Club de Ouaga. Donc en un mot, je ne pourrais dire que la rencontre de Bamako nous a vraiment beaucoup édifiés, tant sur le plan social que sur le plan technique concernant justement l'objet de notre passion commune qui est la deux chevaux. Mais Bamako sont très positives. Du moment que, d'abord, dans un premier temps, c'est la première fois que je viens à Bamako. Et si j'ai pu découvrir Bamako, qui est aussi un pays ouest-africain, pas très loin du mien, c'est grâce à la deux chevaux. Donc je dirais que cela m'a rapporté beaucoup, du moment que j'ai croisé beaucoup d'amis de schiste du Mali avec lesquels on a beaucoup échangé, sans compter que j'ai fait la route avec mon équipe, avec d'autres amis qui partagent la même passion que nous, en l'occurrence les amis du Babi Club de Ouaga. Donc en un mot, je ne pourrais dire que la rencontre de Bamako nous a vraiment beaucoup édifiés, tant sur le plan social que sur le plan technique concernant justement l'objet de notre passion commune qui est la deux chevaux. Mais que nous avions pour l'avenir avec le club malien, c'est que nous projetions de mettre en place une synergie des deux chevaux clubs ouest-africains. Et à l'issue de ce voyage sur Bamako, à l'occasion de cette rencontre, on a pris des contacts très fructueux avec des amis de schiste du Mali. Et avec eux, en collaboration avec les amis de schiste du Burkina, nous comptions mettre en place un réseau des deux chevaux clubs ouest-africains qui regroupera le Niger, le Burkina, le Mali et le Sénégal en l'occurrence. Donc nos projets avec ces clubs-là, surtout en particulier celui du Mali, c'est de pouvoir échanger, organiser des activités, des rencontres, tout ceci autour de la deux chevaux pour renforcer justement la solidarité de schiste et aussi les liens sociaux entre Africains, ce qui n'est pas un vain mot, comme vous le savez. Thank you.